Comment nous? Trois victoires en trois matchs pour Barcelone dans la Liga 2024-2025. C'est leader championnat après trois matchs. Tap tap sin, voyez l'argent en Haïti by Fanmou, pas compliqué. Ou même quand vous voulez l'autre bout, téléchargez l'application sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Fanmou, besoin mon en Haïti, juste besoin de mon cash et le registre téléphone. C'est 4 débit, on besoin de vous faire vos actions. Alors utilisez pour mon code KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou on gagne $15 sur première transaction. L'automobile, téléchargez l'application d'automobile là sur Google Play Store pour placer Paris Sportif. Paris simple, Paris multiple, Paris combo. L'automobile gagne basketball et tennis sur application. On se donnait pas à Barcelone dans le match de football ça. T'es jeté dans le camp. Jules Conde latéral droit, Jérôme Martin latéral gauche, Inigo Martinez, Gobercy. Mis en terrain, Marc Bernal, Pedri, Lamine, ailier droit, ailier gauche, Ferran Torres, Rafinha, tenant dos. Robert Lewandowski, c'est comme ça qu'il est FC Barcelone, là, même lui, t'es campé dans le match de football, ça. Et si après, dernier match de Barcelone gagné 2-1, il y a un seul changement, c'est Balde qui peut commencer dans le match contre l'équipe Vallecano. Après ça, et Ferran Torres, Rafinha, Lamine, Bernal, Pedri, goalkeeper à latéral droite, là, et puis Chanier Central, là, tout le monde est là. Donc, Jérôme Martin est remplacé. Balde. Non, vidéo avant match que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de difficultés qui t'ai gagné pour Barcelone. Bat équipe Rayo Vallecano, Kai Rayo Vallecano, donc à l'extérieur. Barcelone gagne des années depuis, li pas fait victoire là. Donc c'était un terrain très difficile, contre un adversaire très difficile. Et 10 premières minutes match football, là, il t'a montré ça clair avec Barcelone qui pas capable de sortir, pressing à outrance. Deux équipes Rayo Vallecano qui l'ouvrit score même dans la 10e minute là. Avec un renversement sur côté droite là, passe dans dos latéral Barcelone, là, centre de Frutos, et puis Unai Lopez frappe dans le premier poteau pour le faire un Asie ou un pour l'équipe Rayo Vallecano. Sous goal ça. Tachegen nous connaît, Tachegen c'est un des meilleurs goalkeepers sur 10 dernières années. Chiffre, il parle pour lui, talent il parle pour lui. Et saison 2022-2023, Ter Stegen, c'était de loin meilleur joueur Barcelone, meilleur joueur Liga. La preuve en est bien good. C'est lui-même qui était élu meilleur joueur saison 2022-2023. Donc, un goalkeeper qui élu meilleur joueur saison 1, équipe des champions, ça monte dans quelle dimension du goalkeeper, ça lui-même était extraordinaire. Maintenant, si l'on prend saison 2023-2024, là, Barcelone fait saison blanche, mais Ter Stegen était quand même raté plusieurs matchs à cause, on voulait maintenant dos, qui était fait que Ter Stegen fait opération. Et c'est Inaki Peña qui est dans le camp. Mais on constate, depuis après opération, hein, depuis le Ter Stegen retourné, jouer pour l'équipe FC Barcelone après opération, hein, il n'y a pas de même réflexe là encore. Et le la fait intervention latérale, il en hauteur, il n'y a pas de même assurance là dans l'intervention. Goal ça. C'est vrai, ou capable de dire c'est une reprise instantanée. Mais on croit que Ter Stegen coupable sous action ça. Parce que, on va être très clair. Lorsque le gardien joue ballon, ou joue ballon, c'est vrai, c'est pas tout ballon joué pour coupable. Mais ça, Ter Stegen est plongé en hauteur, intervention latérale Ter Stegen, non, et pas fait avec assurance. C'est pas le premier match que Ter Stegen comme ça. Si nous prenons le match Real Madrid, goal Bellingham fait, et frappe Bellingham, nan, ça, c'est goal Ter Stegen, pas supposé prendre. Et l'intervention latérale Ter Stegen, il posait quand même problème, et c'était quand même une erreur de la part de Marc Ter Stegen. Le samedi, on a joué 10e minute de jeu, 1-0 pour l'équipe Rayo Vallecano. Barcelone a eu pas mal de difficultés en dedans, et pour la période, ça. La preuve en est bien grande, malgré Barcelone a gagné 66% de position de balle. Équipe Rayo Vallecano en fait plus tir cadré en la première période. Barcelone à la 19e minute de jeu gagne un centre et sous côté gauche là, Lamine qui était en position de ailier ou bien milieu gauche, lui fait centre là pied gauche pour Inigo Martinez. Donc c'est Barcelone qui était attaqué. Reprise Inigo capté par goalkeeper équipe Rayo Vallecano. Deuxième frappe cadre pour Barcelone fait à la 37e minute de jeu. Avec Lamine sous côté droit là qui a rentré dans l'axe, il fait intérieur là. Ballon qui va prendre coin. Goalkeeper a fait arrêt pour n'a pas les deux coordinates.
pour empêcher qu'il va envoyer canon lui-même il prend goal. Première période là, c'est ton première période très moribonde pour Barcelone. Qui pas capable de développer joueur lui, transmission très lente et c'était pratiquement seul la mine qui t'a porté danger à vraiment et en attaque pour Barcelone, c'est lui-même qui t'a tenté. Et dans sortie de balle Barcelone, dans tes difficultés, t'es manqué combinaison, on sentit que Pedri t'es très lent. Non, où mettre ballon. Barcelone, t'es manqué accélération, t'es manqué vitesse pour l'équipe FC Barcelone. Non. Et sous côté gauche Barcelone, non, c'était inadmissible, inconcevable. Là, pour on est avec Jérôme Martin, latéral gauche ou pas Ferran Torres, l'aile gauche Barcelone, non, qui c'est bord droite, équipe Rayo Vallecano, c'est ton l'aile qui était pratiquement inexistant. Pratiquement inexistant, on a parlé de l'aile et gauche Barcelone. Non. Ballon, t'es plus circulé à droite, c'est là que t'es plus animation. Et ça qui gagne, le gars dont on est avec Jérôme Martin, on a sensation que le joueur, t'es peur. Jouer avec lui, il n'y a pas de combiné avec lui, ballon est moins circulé sur côté gauche, Barcelone, qui c'est côté droite, équipe Vallecano, que inverse là. Maintenant, moi-même, une chose qui est très importante là, quand on entraîneur, c'est le entraîneur non, a fait match, il a dit l'homme, il a fait match, il a consigné match là, joué, et puis il a fait match li tout. Parce que, lui, ouais, que il y a un bagage qui va marcher. Qui ça, monsieur, fait à la mi-temps, monsieur, retire Ferran Torres qui était inexistant. Je suis rentré avec Dani Olmo. C'est changement match là. Dani Olmo, depuis la 46e minute de jeu, fait pénalité sous lui. Et orbite central avec V, Sotogrado. Et puis V, moi, je ne pas comprendre comment que Nego fait pas le consulter V, parce que monsieur fait crochet à défenseur à empêcher monsieur Aljo Ballon. C'est pas empêcher monsieur Aljo Ballon côté le campé. Ren kouke makak, mais monsieur fait geste à pied, il crocheté Olmo. Même va, n'est-ce pas le gardé. Bien que saison ça, quitte en Angleterre, quitte en Espagne, orbit yo avec va, a moins allé dans va, orbit a moins allé dans va que possible. Mais qu'on y est là, si nous prenons va, si football là doit camper, après un contact, en deux surfaces de réparation, il faut que nous la dalle pour nous connaître est-ce que un contact irrégulier, est-ce que pas un contact qui est irrégulier. Et ça, c'est un contact irrégulier, c'était un bon pénalité pour l'équipe de Barcelone. C'est vrai, dans le premier match, Barcelone jouait contre l'équipe Valence, la montée dit que Barcelone jouait un pénalité généreux. Ça, un bon pénalité parce que le défenseur fait faute sous Dani Olmo. 51e minute de jeu, on raté de Robert Lewandowski. Deuxième période, Jérôme Martin n'a été plus bon que première période là. D'ailleurs, on centre de Rafinha à la suite d'une connexion avec Jérôme Martin, M. Fessant là. Lewandowski en route, il n'est pas arrivé à mettre ballon là quand le Sandam jouait 51e minute de jeu. 55e minute de jeu, attaque rapide pour l'équipe FC Barcelone là. Pedri pour Robert Lewandowski, monsieur fait frappe pied droite, monsieur ferme pied, mais ballon trop croisé, il y a allé dehors, il va même et cadré, même n'a pas parlé de Robert Lewandowski, le centre d'abjeu, 58e minute du jeu. Équipe FC Barcelone pral égalisé, 60e minute du jeu, avec très bonne connexion, Rafinha, Pedri, on dit Pedri, Rafinha. Rafinha Pedri, d'abord c'est Pedri qui passe Rafinha ballon, Pedri Alton ballon, Rafinha passe lui, et voilà, Pedri fait, on frappe à mi-hauteur, et ballon Rafinha Bali, hein, c'est pas pire bon ballon, mais le fait que le pas de gain en défenseur qui était serré sous lui, ça vient balle le temps pour redresser ballon, hein, et pour le faire frappe là, pied gauche qui permet que Barcelone égalise, le centre d'abjoué. 60e minute de jeu. Barcelone pense que était fait ça plus difficile là à la 71e minute de jeu avec Golsa de Robert Lewandowski. Et il va 2 minutes après 73e minute de jeu pour annuler Gol là parce que au départ de l'action, gagné Tonton ça qui lui-même relé comme des piles pieds et défenseur là. Mais Barcelone vient faire changement, Martin vient sortir pour balle de rentrer. Parce que, on dit ça, si c'est 22e période, jusqu'à ce que vous venez retirer
il était moins mauvais, mais pour la période là, il était perdu, on sentit son joueur qui était pratiquement perdu. En d'après la période là, on a parlé de latéral gauche, équipe FC Barcelona, Jérôme Martin. Équipe football, ça n'a pas les deux équipes. Raoul Vallecano avec Mbaba pour le faire une frappe, monsieur rentré dans la place Garcia à la 56e minute de jeu, monsieur va le faire frappe 79e minute de jeu, arrêt de Marc-André Ter Stegen. Et puis Barcelone pour le faire 2 à 1 avec Dani Olmo, son passe de Lamine, et puis monsieur fait frappe en haut les pieds gauche petit filet et goal attaqueur pratiquement 2 à 1 pour l'équipe FC Barcelona avec et Dani Olmo. Bernal manqué fait 3 à 1 hein, avec une belle frappe arrêt de goalkeeper. Hein. Donc Barcelone gagne match football ça 2 goals à 1 avec une équipe football qui a gagné en pile maîtrise en deuxième période là par rapport avec première période là. Nous parlons de deuxième période là, nous seulement Barcelone fait 2 goals en deuxième période ça, nous parlons du penalty que l'équipe là joue au Babali. Nous parlons de Robert Lewandowski qui fait un goal, mais au départ de l'action, il y a une faute. Nous parlons de Robert Lewandowski qui a raté et une occasion de but à la 51e minute de jeu. Donc, frappe audacieuse de Olmo qui frappe dans la barre transversale à la 58e minute de jeu. Ça veut dire que ça veut dire que c'était quand même une équipe FC Barcelone en 12e période qui était plus bon par rapport avec et pour la période là. Maintenant, nous avons constaté faire 3 matchs Barcelone pour 3 goals. Ça, c'est quand même un côté pour Barcelone travailler. C'est pas goal, you know, mais c'est à rythme adversaire, yo, le vaisseau. Ça, très important. De vous voulez jouer, il faut que vous préparez en septembre. Et ça, est capable, un élément défavorable à une équipe football qui a pris des prix en goal. Parce que, bon, bah, qui est très clair, des fois, ou qu'à tenter un pile bagay offensivement, ou pas qu'à mettre des ballons dans le filet, mais faut qu'on garde comment qu'à quitter qu'à jouer un violet tout. Ou qu'à faire preuve de malchance dans le match football pendant tout match là, ou pas qu'à mettre des ballons dans le filet, ou si faire green goal là, faut qu'on capable de sécuriser avance là tout. Ça très important pour n'importe équipe. Et équipe flic pas réputée pour équipe qui, comme on est capable de dire ça, pour l'équipe qui a sérénité en défense. Et parce que c'est quand même une équipe qui exécute rapide, il y en a joué direct là, et pas un moment, l'équipe flic qu'on quitte trop dans l'eau. Et moi, je crains pour l'équipe FC Barcelone, ça pas tomber dans la logique que pas qu'à Kembe Kajli et violé. Ça, il y a un goal contre Valence, il y a un goal contre Raoul Vallecano, c'est une balle d'intérêt difficile. Il prend un goal contre l'équipe Athletic Bilbao. Et c'est pour une question de goal, mais il m'a parlé de quantité d'occasions que l'équipe adverse a procuré contre Barcelone. Et maladresse qui fait que vous pas fait goal. Et puis, vous sentez danger imminent. Donc, je pense que faut l'équipe FC Barcelone, dans tout, il travaille ça. Et puis, moi-même, je parle de Marc-André Ter Stegen, parce que même moi, que pour nous parler de Barcelone qui est extraordinaire, tout, faut Marc-André Ter Stegen comme goalkeeper, il baille garantie, il baille assurance.